Salutations, bienvenue à vous, je présente Form Frenzy Refresh. C'est un jeu de gestion et de réflexion. C'est dans le genre jeu de simulation de vie à la ferme. C'est la première fois que je reçois un jeu en avant-première. Je suis donc ravie de vous en faire un guide avant sa date de sortie, sachant que ce jeu sera disponible bientôt à partir du 11 juin 2021 dans moins de 4 jours pour vous sur la console PlayStation 4. Il est également disponible sur Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam. Il sera vendu sur le PlayStation Store au prix de 10 €. Ce jeu a été développé par Hello World Entertainment et Game One Productions. Il a été publié par Chilly Dog Interactive. Rappelez-vous de cet éditeur qui nous avait récemment sorti Close Book Side. J'en avais fait un guide, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne. Un jeu que j'ai vraiment apprécié. Concernant Farm Frenzy, le synopsis, est-ce que le jeu attend de nous? Notre objectif est de s'occuper des animaux de la ferme. On devra s'occuper des vaches, des canards, etc. en leur donnant de la nourriture et d'autres choses comme le bétail, tout ce qu'ils ont besoin. On devra obtenir notre propre production, c'est-à-dire fabriquer divers produits pour ensuite pouvoir commercer avec la ville. Bien sûr, tout ça si vous n'activez pas le mode triche. Concernant le gameplay, tout se joue à la souris. Comme vous pouvez le voir à l'écran, tout de suite on voit un curseur. C'est un peu dans le genre point and click. Notre objectif est d'atteindre chacun des niveaux supérieurs qui seront de plus en plus exigeants, sachant que le jeu contient un total de plus de 60 niveaux, mais 50 seront nécessaires pour le platine. Les graphismes sont en 3D avancé, avec un changement dynamique de l'heure, du jour et de l'éclairage, ainsi que la météo et les saisons qui sont changeantes pour une immersion complète dans la vie rurale. Ce jeu contient un total de 19 trophées, 9 en or, 5 en argent et 4 en bronze. Sa durée approximative en platiné est de 30 minutes maximum, car il y a un trophée qui vous demande de regarder la ferme pendant au moins 30 minutes. Sa note de difficulté est de 1 sur 10 grâce au code triche que je vais vous donner tout de suite, juste après, pour faire toutes ces choses facilement et rapidement. L'acheminement des trophées se présenteront ainsi, il faudra obtenir le niveau 1, le niveau 3 et le niveau 5 pour un total de 4 bâtiments d'élevage qui sont la porcherie, l'établi, l'écurie et le bâtiment à local d'aviculture, l'enclos à canards. Il y a un total de 12 trophées qui sont liés à ces enclos, on va les faire tomber tous ensemble. Juste après, il y a ensuite 3 trophées qui vous demandent de compléter le niveau 5, 10 niveaux et compléter un total de 50 niveaux, bon les 50 premiers niveaux. Donc je vais vous montrer comment faire pour le compléter rapidement avec le code triche. Et il y a 3 autres trophées, les 3 derniers qui vous demanderont de surveiller, de jouer pendant au moins 5 minutes, 15 minutes et 30 minutes. Non, pas vraiment jouer, je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas vraiment jouer. On va en revenir juste après. Donc on va commencer tout de suite par nouveau jeu. On va s'occuper des trophées qui vous demandent de compléter 5 niveaux. Donc là, il y a le niveau 1 tout de suite. On va tout en bas, on fait jouer, on dit oui. Je vais vous passer le code triche. Donc là, on dit OK. Et tout de suite, on entre le code triche qui est haut, haut, bas, bas, haut, haut, droite, gauche, gauche, droite et carré. Là, vous avez le code triche, le menu qui est activé. Vous voyez, c'est surligné sur « Compléter level ». Level est un terme anglais qui veut dire « Compléter le niveau ». On appuie sur quoi ? On dit oui. Et là, on ferme la petite fenêtre ici, puisqu'elle est en train de nous parler. Scarlett, hop, et là, ça termine. Le premier niveau, il faut le faire jusqu'au niveau 5, jusqu'au niveau 10 et jusqu'au niveau 50. Donc, bien sûr, à chaque niveau, vous faites le code. Vous recommencez le code pour tous les niveaux. Donc, je vais entrer le code tout de suite, donc je vais fermer sa discussion à elle. Elle va nous parler tout le temps jusqu'au niveau 5 et après elle arrêtera de discuter avec nous. Donc là j'entre le code OO, baba, OO, droite, gauche, gauche, droite, carré. J'appuie sur quoi pour compléter le niveau. Je fais continuer, donc on vient de terminer le niveau 2. Je vais jusqu'au niveau 5, juste pour vous montrer, hein. Après c'est de la répétitivité, vous refaites la même chose. Ok, donc normalement elle nous rediscute encore, on ferme. Donc là on peut entrer le code OO, baba, OO, droite, gauche, gauche, droite, carré. Compléter le niveau, on appuie sur croix, on valide. Et
On continue comme ça jusqu'au niveau 5. Et vous continuerez également jusqu'au niveau 10. Donc là, elle nous dit, voici votre ferme, bienvenue chez vous. Ok, très bien. On va en profiter tout de suite pour faire quoi? Pour faire tomber d'autres trophées, donc les autres trophées qui demandent l'enclos du cochon qui s'appelle porcherie et l'enclos du canard qui est juste en haut qui s'appelle aviculture. C'est le terme spécifique pour les locales de bâtiments de canards d'élevage. Et au niveau de l'enclos des bovins, des bovines, c'est tout ce qui est lié aux vaches. Et l'enclos des écuries, c'est tout ce qui est lié aux chevaux. Donc, on va commencer par l'enclos de la porcherie. On appuie sur croix. Mais avant d'appuyer sur croix, vous allez voir, on ne peut pas. Il nous faut de l'argent. 250 coins. Et nous, on va fermer l'enclos. Il y a 0 ici. 0, 3 et 9. Donc, on va faire le code triche pour obtenir beaucoup d'argent et collecter beaucoup d'étoiles et de diamants. Donc, on fait haut, bas, haut, droite, gauche, droite, carré. Compléter le niveau, on n'appuie pas dessus, on fait ajouter de la monnaie, ajouter les starts, hop, on va jusqu'à 10 000. Vous voyez, ça augmente, on voit en fond au niveau de l'étoile en haut à gauche. Pareil dans ajouter des coins, hate veut dire ajouter en anglais. Donc là, vous voyez, ça augmente tout en haut, on voit que je suis passée à 340 millions. On va descendre un peu dans vegetable, les légumes. Donc, vous voyez, le chiffre augmente, 7 000, 8 000, 10K, 10 000. Donc, vous ajoutez aussi des étoiles de couleur violette et on va ajouter des diamants. Vous en mettez pas mal, hein, validez jusqu'à en avoir assez. Hein. Donc, je vais rajouter des étoiles, j'en ai pas beaucoup. Voilà, vous rajoutez un peu tout ça. Et puis, bah voilà, ça m'a l'air d'être bon là. Je vais rajouter un peu plus d'étoiles. Ok, maintenant on fait hésite et je pense que c'est bon maintenant. On peut commencer à acheter l'enclos. En fait, c'est pas pour acheter, mais c'est pour améliorer l'enclos du cochon. Donc, hop, le premier trophée qui dit d'améliorer l'enclos du cochon niveau 1, on va aller jusqu'au niveau 3 et niveau 5. Vous avez marqué ici niveau 1, hop, on achète. On va jusqu'au niveau 3 pour le trophée. Et il faut aller jusqu'au niveau 5. Donc là, on est au niveau 3, c'est marqué ici. On valide, niveau 4 et niveau 5, le trophée devrait tomber. Maintenant, on va s'occuper, on va faire la même chose, mais pour le canard et tous les trois autres enclos. Donc, canard, on achète, niveau 1, canard niveau 3, on va aller jusqu'au niveau 3 pour le deuxième trophée lié au canard. Et là, il est marqué niveau 3, le trophée est tombé. Hop, on va aller jusqu'au niveau 5. Le niveau 5 est l'enclos maximum. On peut pas, si on retourne dessus, il y a marqué niveau maximum atteint. Niveau 5, enclos de canard. Maintenant, on va aller sur l'enclos bovine, la vache. Niveau 1, c'est fait. On va aller jusqu'au niveau 5. Et grâce au mode triche, on a cumulé pas mal d'argent, d'étoiles et de diamants. Donc, normalement, c'est bon. Niveau maximum atteint, le trophée est tombé. C'est parfait. Maintenant, on continue à faire la même chose avec l'écurie. Niveau 1, le trophée est tombé. On doit aller jusqu'au niveau 3 pour un deuxième trophée lié à l'écurie. Il y a marqué niveau 3. On va jusqu'au niveau 5. Et voilà, on a terminé. Niveau maximum atteint. Maintenant, on a obtenu les 12 trophées liés à tous ces enclos. Il nous reste plus qu'à terminer les niveaux. Donc, on recontinue avec les niveaux. Là, on est au niveau 5. Et il y a quand même 3 trophées qui vous demandent de terminer, de compléter 5 niveaux, 10 niveaux et 50 niveaux. Donc on continue à chaque fois que vous complétez un niveau, vous entrez le mode triche pour le terminer rapidement. Donc on fait haut, bas, haut, droite, gauche, droite, carré. Bon, j'ai été trop vite donc ça n'a pas marché. Haut, bas, haut, droite, gauche, droite, carré. Maintenant je vais dans compléter le niveau. Hop, le niveau 4, on va compléter le niveau 5 pour faire tomber le premier trophée lié au niveau, juste tout de suite. Hop, on remet le code triche, hein, à chaque fois que vous terminez un niveau. Voilà, donc là, c'est lié au niveau 5 pour avoir complété le niveau 5. Bah, vous faites la même chose, hein, vous refaites jouer, vous verrez, c'est super facile. Vous validez tout le temps avec la touche croix, hop, et puis bah vous appuyez sur la flèche, vous rentrez le code à nouveau. Toujours il faut entrer le code
pour faire terminer le niveau. Niveau 6 terminé. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, il reste 3 trophées qui vous demandent de surveiller votre ferme pendant au moins 5 minutes, 15 minutes et 30 minutes. Donc, alors, ces trophées, je vous explique, ne le faites pas dans la partie de jeu. Je ne pense pas qu'ils tombent quand vous jouez. Je pense qu'il faut rester sur cet écran titre juste ici. Et là, vous voyez, on a un aperçu sur notre ferme. Donc, restez ici pendant au moins 5 minutes, 15 minutes et 30 minutes. Il y a 3 trophées qui sont liés à ces temps. Une fois que vous restez 5, 15 minutes et 30 minutes, les trophées tomberont. Pendant ce temps, bah, vous pouvez essayer de faire autre chose à côté. Aller tout simplement faire d'autres activités. Voilà, essayer de cuisiner, de lire un livre, de faire autre chose sur votre ordinateur pendant que le jeu tourne et que vous avez un aperçu sur votre ferme. En fait, on vous ordonne de surveiller votre ferme pendant au moins 5 minutes, 15 minutes ou 30 minutes. Donc on vous demande pas de jouer, mais on vous demande de surveiller la ferme. Donc vous laissez le jeu tourner pendant au moins 30 minutes, comme ça les 3 trophées tomberont. Donc moi je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. On a parlé de compléter les 5 niveaux, les 10 niveaux, les 50 niveaux, de surveiller le jeu pendant au moins un total de 30 minutes, donc obligé de jouer 30 minutes dans ce jeu, et on a fait tomber tous les trophées liés au niveau des enclos. Donc voilà, j'espère que ce jeu vous plaira, et que ça vous permettra d'obtenir un platine facile et rapide grâce à mon guide. Je vous dis à bientôt, à la prochaine, salutations.